Alors bonjour, moi c'est Inès, j'ai 22 ans. Je suis actuellement en alternance à la Cadenelle. Donc suite à un BTS ESF, je poursuis la suite logique, donc la licence, le diplôme d'État en économie sociale et familiale, du coup, donc pour devenir à la suite CESF, conseillère en économie sociale et familiale. Voilà, au niveau de mes missions, je fais beaucoup, beaucoup d'accès aux droits, d'accompagnement. Au niveau d'aide administrative, au niveau, voilà, j'accompagne les usagers, je les reçois dans le bureau. Tout ce qui est demande de CAF, remplir les documents, écrire un public aussi également. Je renseigne beaucoup, j'oriente beaucoup. Je peux faire aussi de l'accès aux droits, de la coordination d'activités, accès aux loisirs, accès à la culture. Je fais aussi beaucoup de la démarche partenariale. Donc on est en recherche continuelle de partenaires, que ce soit opérationnel, que ce soit institutionnel, financier. Voilà, on essaie de faire au maximum pour faire marcher la maison pour tous, qui est une maison de proximité pour les habitants du quartier. On essaie de favoriser au maximum leur insertion sociale. Bonjour, je m'appelle Najma Dawadji, j'ai 21 ans et je viens du lycée de la Cadenelle. Donc j'ai effectué mon BTS ESF là-bas et aussi le DE de CESF. Et je suis depuis quelques mois chargée de mission de coordination au sein de la structure Centre social Maison pour tous des Cayolles. Donc je coordonne l'équipe et veille à que tout se passe bien sur le pôle. Et je suis aussi chargée des gros projets que j'ai pu mettre en place sur le pôle famille. Donc comme par exemple le projet Nature et Sport, donc que j'ai mis en place quand j'étais en alternance l'année dernière. Donc moi je m'occupais donc de tout ce qui était alimentation, de faire donc des équilibres, des ateliers sur l'équilibre alimentaire avec les femmes.